Après le PDC RDA de M. Henri Gonambédié, le FPI des pro-AFI répond favorablement à l'appel de M. Guillaume Kibafourisoro. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Après l'appel de M. Guillaume Kibafourisoro à l'union des forces de l'opposition ivoirienne, précisément à Abidjan, les voix favorables se sont faites attendre au niveau de l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire après le PDC RDA de M. Henri Gonambédié par la voix de son président Bédié. C'est au tour du pro-AFI de répondre à l'appel de M. Guillaume Kibafourisoro, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Ce matin, par le porte-parole du Premier ministre Affi Guessan, Jean Bonin s'est exprimé enfin sur ces thèmes à l'occasion de la grande conférence de presse qui a animé le 25 août dernier. Le président Pascal Affi Guessan, candidat du Front populaire ivoirien à l'abrégé FPI de M. Laurent Gbagbo, avait appelé à un grand rassemblement de toute l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire en vue d'œuvrer à l'instauration d'un processus électoral ouvert, crédible et transparent. Ce nécessaire rassemblement de l'opposition permettra de mutualiser les forces en vue de contraindre le pouvoir d'Abidjan, le RHDP du président Alassane Dramane Ouattara, à mettre en place des institutions crédibles pour l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, a déclaré M. Pascal Affi Guessan. Nos compatriotes ont soif d'alternance pacifique afin de mettre fin aux cyber-tantenaires, tantenaires de violences qui émaillent régulièrement les élections présidentielles dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le candidat du Front populaire ivoirien en abrégé FPI accueille favorablement toute l'initiative qui concourt à l'atteinte de l'objectif du rassemblement et l'organisation d'un scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Ce communiqué a été relayé à Abidjan, précisément le 19 septembre 2020, par Jean Bonin Kouadio, porte-parole du candidat Pascal Affi Guessan du Front populaire ivoirien en abrégé FPI. Le FPI pro-AFI rejoint ainsi le Génération et Peuple solidaire en abrégé GPS de M. Guillaume Kibafourisoro, le PDCI RDA de M. Henri Gonambédié en Côte d'Ivoire, ainsi que bon nombre des partis de l'opposition ivoirienne dans la lutte politique qui compte mener en parlant d'une seule chose qui est le troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons sur cette affaire à suivre.